Lui, toute la fin de semaine de TVA et LCN. Et puis, parlez-nous de ce chauffeur du RTC. On l'a vu avec sa perruque pendant la transition. Il prend ça au sérieux, là. Ben oui, il a tenu vraiment à mettre l'ambiance McCartney dans l'autobus qu'il conduisait. Alors, je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de ce qu'il faisait entendre à ses usagers, oui. Ben, j'ai fait une demande. Étant donné, j'avais un beau costume des Beatles. J'ai dit, ça serait plaisant, souligner la présence de Sir Paul McCartney en fin de semaine avec une prestation genre Beatles. J'ai le costume. Les patrons m'ont dit oui, ça serait une bonne idée, pour souligner l'événement. Cet événement spécial-là, il faut que ça soit souligné là, grandiose, parce qu'on ne verra jamais ça de notre vie. Là. C'est la seule et unique chance. Donc, vous avez évidemment reconnu la musique des Beatles qu'il faisait jouer, la coupe de cheveux à la Bonne Paul idée, McCartney. Monsieur Vaudreuil, ben oui. C'est ça, et la guitare au plafond. Et évidemment, il invitait les gens à se rendre dimanche sur les plaines d'Abraham, mm-hmm. mais petit fait cocasse, malheureusement pour lui, vous savez, on aura besoin d'énormément de chauffeurs du RTC. Alors peut-être qu'il ne pourra assister malheureusement au spectacle, mais en tout cas, il aura vécu à sa façon la folie McCartney.